Alors, on est parti pour EG contre Rave. Cette game qui paraît pas forcément incroyable comme ça, mais qui va opposer une équipe invaincue, EG, très très impressionnante depuis le début du tournoi, qui a été un peu malmenée sur certaines games, mais qui a toujours réussi à remporter la victoire, qui va jouer contre Rave. Rave qui a concédé une seule défaite contre je ne sais absolument pas qui, mais une seule pour 4 victoires en ayant sorti des grosses grosses écuries chinoises comme Newbie notamment. Et ça va être la première fois qu'on va les suivre sur la télé, donc on va pouvoir les découvrir en même temps que vous, voir ce qu'ils ont à proposer, quel concept est-ce qu'ils ont à nous proposer. Et ça va être super intéressant de faire tout ça. On est avec Max qui va nous accompagner pour ce cast et qui va vous présenter donc le début du draft. Exactement. Donc au niveau des bans de la part de Rave, on a eu un ban Axe ainsi qu'un ban Shadowfiend. Je pense que le ban Shadowfiend ici, c'est plus ou moins un respect ban pour Evil Geniuses, qui a fait vraiment à chaque fois un énorme travail autour de ce SF, ce mec qui a été plutôt impressionnant sur la plupart de ses games avec ce SF et qui a contribué à la plupart des victoires plutôt fortement. En face de ça, on est parti sur un ban Yo, donc très classique en first ban de la part de G. Derrière ça, on est ban Witch Doctor, je sais pas trop, j'ai pas trop l'occasion. Il doit être ciblé, je pense, ce ban. Ouais, j'ai pas trop eu l'occasion. C'est étonnant de le voir sur un first ban s'il y a pas quelque chose, ou quelque chose derrière, ou s'il est beaucoup joué par Revs. J'ai pas trop eu l'occasion de voir les games de Revs, donc je sais pas du tout si c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup amené, des games avec des Witch Doctor. En tout cas, opening au niveau des picks, Lion A côté Rave, donc là on va chercher deux supports, on va chercher du contrôle, on va chercher du burst dommage avec le Lion, donc deux classiques j'ai envie de dire, en tout cas en tant que support. Peut-être un peu plus étonnant de voir vraiment le Lion en first pick, mais bon, pourquoi pas. Et puis il commence à y être, hein. Je sais pas quelles sont ses stats, mais il gagne tout le temps ce héros, j'ai l'impression. Il y a 60% de win à peu près. Ça va, ça mérite un petit first pick, hein. C'est pas mal, ouais. Le dernier héros qui était à 60% de win, c'était le Lycan qui était top ban au TI. Enfin, sur le DAC, hein, il est à 60%. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh putain, il y a une batte aussi qui arrête pas de gagner. Ils sont marrants ces stats. Enfin, on est sur une opening venge de la part de David Genesis, un Clockwork. Donc là, encore une fois, on reste sur du classique. Bon, on a le Flainer qui est connu, mais la Vengeful, il y a beaucoup de choses qui aillent plutôt bien avec. On dessine en prévision d'un éventuel draw visage ou ce genre de choses, de bannir, enfin draw visage venge, bannir la draw côté Raves, bannir l'Enigma également. Ah, ils ont joué une fois Clock et Enigma. Comme le Clock est un offlaner qui est très très dur à sortir de la ligne et qui aime bien rester sur la ligne, tu peux partir assez greedy avec l'Enigma dans les bois. Ils ont fait ça une fois sur une game. Et pour le Witch Doctor, on en avait parlé un peu plus tôt. Donc Rave, effectivement, l'a joué 4 games pour le moment. Donc 4 games sur 5, c'est quand même pas mal. Et ils ont 3-1 avec. Donc ça a l'air d'être un héros qui maîtrise pas mal. Un docteur plutôt solide, quoi. On va aller chercher des bans Void ainsi que Slark au niveau du pick des. 10 seconds remaining. Il y a un ban de carry qui sont plutôt efficaces avec Lion, avec AA, sans trop de soucis ici. De toute façon, on avait déjà le double support côté Rêve, donc on se doute bien que derrière ça, G va réagir sur du ban carry. Ouais, et puis du coup, ça explique peut-être aussi le ban draw. On a deux carry, mine de rien, qui avaient des spells pour vous sauter dessus. Donc peut-être que G voulait partir sur un carry assez squishy, de type Draw Ranger par exemple. Peut-être ça que c'est dit Rêve. Et Rave qui va enchaîner du coup derrière sur le puck. Alors je les ai pas vus jouer, mais de ce que j'ai lu par-ci par-là, il paraît qu'ils ont un mec qui joue puck qui est monumental. Je ne connais pas son pseudo parce que je ne connais aucun des mecs de chez Rave, si ce n'est Jayo. Mais on va essayer d'aller retrouver ça rapidement. Mais il y a une game, il paraît, où t'as un puck qui a roulé complètement la game. Et c'est assez rare quand même de voir des pucks qui roulent des games à ce niveau de jeu. C'est Rio Air, le joueur de puck chez Rave. Alors on va essayer de retrouver la game. C'était pas contre Newbie. C'était pas contre MVP. En tout cas, on a entendu un petit Sand King qui a été pick derrière. Je ne sais pas du tout pour quelle équipe puisque je ne suis plus du tout sur l'écran de pick. C'est pour Roger que Sand King a été pick. Donc on part sur un duo de ça, entre guillemets, un duo de support Vengeful Sand King, Clockwork. Le mid qui est toujours open. Le carry qui est toujours open. Et peut-être, ouais, peut-être grâce à ce contrôle que va apporter ce Sand King, et puis aussi, mine de rien, les cogs, ainsi que le Sand King, ça vous permet de fixer les teamfights plus ou moins dans une zone. La Vengeful, ça vous permet pareil de repositionner des teamfighters, donc on peut s'attendre, hein, comme tu l'as annoncé, Hugo, à un carry plutôt squishy les bannes de G. Ouais.
pense que c'est pour ça que le ban draw était plutôt malin. Reste quoi après derrière en carry En rêve? tout cas, ça, on remplace l'Illima par le Sand King. Hein. C'est un peu le même rôle. C'est un mec qui va pouvoir farmer les bois rapidement. Donc, ça reste dans la même optique que on a un Clockwork qui est très dur à sortir de l'offlane. Et du coup, on peut en profiter pour prendre un duo de support grillé. Faut voir que la duo de support Lion AA, c'est super violent en termes de DPS. Vous avez du coup deux supports range qui profitent du Chilling Touch et Lion qui apporte des très longs disables pour permettre de sortir certains offlaners. On a vu, c'était le Nyx de Bone Seven tout à l'heure là qui s'est fait mais exploser contre. Je sais pas s'il y avait les deux ceci dit, mais. Bref, c'est une grosse duo de support. Ça explique peut-être aussi le pick clock. Qui est un offlaner qui, via ses coques, peut se débrouiller pour avoir l'XP sous sa tour et du coup ne pas se faire maraf par des supports adverses. Non, il y avait pas. L'ancienne apparition était dans la team du. Ouais, c'était quoi leur deuxième support du coup? De Je me la rappelle team plus. de Bon Seva. Attends, il y avait Lion, Bat. Ah, je sais plus non plus. Naga. Attends, je vais vérifier ça. Je sais pas si. Mais non, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Donc, le Lycan qui arrive derrière côté Rave, ça c'est super classique. Puck Lycan, vous mettez l'ulti-puck, comme ça les gens peuvent pas se barrer. Et le Lycan il court très vite, il sort cette invocation. C'est un combo qu'on a vu apparaître très très tôt lorsque le Lycan est devenu populaire. Et la réponse de EG, elle est extrêmement normale aussi. C'est le troll qui va beaucoup souffrir de la duo de support Lion ancienne apparition. Deux très très bons héros pour gérer un carry melee. Mais le troll qui va être excellent contre Lycan, puisque grâce à votre deuxième spell, vos Whirling Axes, vous pouvez faire louper les attaques de toutes les invocations du Lycan. Et un Necronomicon, ça ne fait pas MKB. Le Lycan, il peut faire BKB, il peut faire MKB pour gérer ce miss du troll. Ce n'est pas le cas du coup du tout du Lycan. Et on a un last pick super intéressant, la Brood qui est choisie par Rave. On a la combo du coup Lycan Brood, parce qu'ils connaissent pas. Le haul du Lycan fonctionne sur toutes les araignées de la Brood. C'est insane. Chaque araignée de la Brood gagne 20 de dégâts. Enfin, c'est monstrueux quand vous avez 15 araignées. Mais EG est déjà quand même bien armé hein, contre cette Brood. Avec bah, le troll déjà, qui peut faire miss les araignées. Le Sand King qui peut clean à la Sandstorm. Le Storm maintenant qui est choisi. Donc c'est un choix très osé, je trouve, de la part de Rave. J'ai un choix plutôt osé, on a ce Sand King qui va permettre un peu aussi hein, qui marche plutôt bien contre Brood hein, pour counter le push. À voir, ce souci c'est qu'avec ce pick clock qui est déjà présent, tu peux pas vraiment te dire on va placer le Sand King en solo face à la Brood pour essayer de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Non mais Donc il pourrait rotate, on a l'habitude de voir pas beaucoup de safeliners partir dans les bois rapidement. Je pense qu'un troll notamment, s'il sort un Mask of Death rapidement, on peut vite aller dans les bois et on peut laisser Sand King contre la peut laisser Brood Sand qui va la King. gérer sans problème. Ouais. Donc je pense que EG va falloir apporter de l'aide à cette Brood. On a Lion AA, deux héros qui aiment bien avoir leur level shift peut-être avant de bouger. Donc cette Brood va être un peu seule sur ce début de partie. Il va falloir qu'elle gère bien cette game. Alors, on est que 3000 dans la data TV, donc on va en profiter, c'est-à-dire que ça devrait pas laguer du tout. Ça, c'est quand même le kiff ultime. Allez, on va introduire rapidement les joueurs côté Rave sur l'offlane. Ce sera Chrissy qui jouera la Broodmother. Rior jouera le Puck au mid, donc un héros avec lequel visiblement il a roulé des gens. Geo jouera le Lycan. Cast à l'ancienne apparition. Et Rib au Lion. Et côté EG, on aura PPD sur la Vengepool. Et Audumil au Sand King. Fear au Troll. Sumail au Sand Spirit. Et Universe sur son Clockwork. Alors, s'il y a des mecs qui voulaient suivre dans ce tournoi, moi je vous conseille de suivre AU2000 et PPD. Ils sont monstrueux sur ce tournoi. Ils ont un taux de mort pour des supports qui est impressionnant. Ils ne meurent jamais. Et du coup, ils sortent trop de stuff. On a l'habitude de voir PPD qui fidait beaucoup à l'époque où EG jouait avec Arthezi, parce qu'il sacrifiait beaucoup, mais c'est plus vraiment le cas maintenant. Bon, même si avec des supports comme Venge ou Earthshaker, parfois il faut donner sa vie pour son carry, il nous fait vraiment des très très belles games. Donc, si vous avez un peu de temps à perdre et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre un peu tout ça. Globalement, de toute façon, toute l'équipe de G qui est très impressionnante. Hein. Fear nous a fait des games ultra solides, je pense tout à l'heure à une game magnifique avec Klinks, Sumail qui nous fait des SF des monstrueux sur chaque game. Enfin, Il y a Universe qui est un peu en dessous de ce qu'on attend de lui, je pense. Oh, ils vont avoir les deux runners, et ça c'est Ouais. important. Les punties qui sont pas du tout contest là côté EG, ça a donné une bounty sur ce Puck, la deuxième bounty qui a été récupérée sur ce Lion, et ça c'est plutôt malin parce que c'est vrai qu'un level 2 early sur Lion, bah ça peut être Ah, ça très change vite tout. en Hein. handicapant pour Ouais. Universe en offlane. Surtout qu'il a loupé un peu son bloc de creep ici.
Alors il faut noter autre chose, c'est que la brood, on lui a donné une ward pour bloquer le pool. Ça c'est important, c'est-à-dire que le lion, que l'Avenge pardon, qui est partie avec deux sentries, bah elle va devoir en utiliser une sur le pool. Et du coup la brood a priori, elle a juste une sentry à gérer sur sa ligne. Et ça c'est important. On va venir la chasser à coup de cri. C'est le temps que AUI comprenne que son pool est bloqué. Mais il doit l'avoir compris normalement. Comment c'est qu'il va pas des wards? Allez, c'est bon, il a posé. Oh, est-ce qu'elle est pas juste en dehors de la range? Ouais, elle est juste en dehors. Oh, c'est tellement pas de Tout pile chance. en dehors. Et c'est tellement bien calculé par Rave parce que ça se joue à un millimètre, hein. Vous Ouais, c'est voyez? au pixel près. Et ça change tout, hein. Ouais, Parce que cette il la ward cherche partout bloque à vue, mais. 90% des spots. Et donc là, ils ont pas le choix, ils doivent tuer la brood. Ils doivent tuer la brood, ils savent peut-être où est-ce qu'elle est. Et ils peuvent la tuer, hein, avec ses Wailing Araxes qui vont partir. Qui vont révéler la position de Christine, qui est dans la range de la sentry. Alors il peut sortir. Ouais, Oh, il est il un va peu aller se mauvais cacher perso. là-haut. Donc là, s'il ne donne pas de kill avec sa brood, c'est la merde pour Rouge. Parce qu'il faut trouver un moyen de donner de l'XP à IUI2000, et c'est pas facile. Je rappelle que le Sand King peut faire les bois à partir du niveau 3. Avant, c'est vraiment compliqué. Universel opposé, il a réussi à récupérer un peu d'expérience. Il va avoir une grosse vague sous sa tour. Il a bloqué l'entièreté d'une vague de creep avec ses cogs. Ça, c'est du classique sur du Clock of Lane. Ça va se loupage dans l'autre sens, pipi d'équipe, des stacks dans les bois. On essaye de trouver des opportunités. On va ramasser une bounty rune au top pour Shant King. Bon, c'est toujours ça de prix, un petit peu d'XP, un petit peu de gold. Mais ouais, mais il lui faut son level 3. Il va falloir essayer de trouver des opportunités pour récupérer ce level 3. Attention quand même, Lion level 2 qui va peut-être tenter quelque chose là au mid sur sommeil en rune d'invi. Alors est-ce que ça a été vu? Normalement ça a été vu par la ward DEG, donc ils savent qu'il est là. Et pendant ça c'est parti en haut sur la brood, ils ont réussi à l'attraper, elle va réussir à manger un tango, mais elle va tomber, le first blood qui a récupéré, du coup on va engager pendant ce temps-là au mid avec le stun du Lion, le Hex à suivre, l'Orb qui a touché, Sumel qui décide de man-up, qui va envie d'essayer de tuer Rior, ça ne passera pas du tout pour le petit jeune de chez EG qui va s'acheter un TP. Il a complété sa bottle. Il était un peu devant au CS comparé au Puck, mais là-dessus il a un peu green. On est d'accord qu'il avait forcément la vision sur cette rune, hein. C'est quoi? C'est les rouges EG? Oui, ils avaient forcément une ward qui a vu le Lion prendre la rune. C'est Oui, quand même une erreur de on sa était part. wardé d'un côté comme de l'autre. Ouais, de rester un peu là alors qu'on se doutait bien que ce Lion a. Et du coup, c'était bien joué de Peut-être la pas. part de Rave d'engager au moment où bah, les supports EG sont occupés top. Ça veut dire qu'ils peuvent pas TP pour aller backup. Même s'il y en avait pas si y a un TP sur le Sand King. On va pull les creeps hein, sur la lane, là, sur le pool qui avait été fait tout à l'heure de la part d'AU2000, histoire de reset un petit peu cette lane. On va ramener une spider, c'est plutôt bien vu de la part de la Broodmother, pour cancel un peu tout ça. Ça ne passera Et il y pas en a un comme qui se ça. fait plaisir dans la game, c'est Fear, hein. Il a 17 deny. Le mec laisse pas la moindre opportunité à la brood de prendre l'expérience. Je rappelle que l'XP que deny, les creeps deny maintenant a été augmenté sur cette version. Donc c'est important de bien réussir cette deny pour mieux shutdown votre adversaire. Et là on le voit, un hein, Ray Chrissy qui vient seulement de passer level 3. Alors qu'en face on est level 2, quasiment 3 aussi sur la Venge et sur le Sand King. Le level du clock est de 4 ennemis grâce à l'XP qu'il a récupéré ce tour et puis au bah, deny moins efficace de la part de Geo peut-être. Attention Lion quand même qui va arriver, qui a bien longé la rune. Et on va partir en haut sur Chrissy, le stun something qui est passé, le stun venge à suivre, et PPD qui va récupérer un nouveau kill sur cette brood qui est parfaitement contrôlée pour le moment de la part de EG. On pouvait s'y Ça débloque en attendre, hein, mais je plus pense que le Rave s'y level attendait 3. aussi. Ça vient débloquer un level 3 sur AUI qui va pouvoir là partir dans ses bois un peu plus tranquillement, un peu plus sereinement et récupérer, débloquer des golds de l'XP. Ouais, on va voir comment est-ce qu'il décide de jouer son héros parce que c'est important d'aller farmer les bois, c'est toujours sympa de sortir une dagger, mais il peut presque farmer plus vite en tuant la brood, hein. S'ils arrivent à continuer à tuer cette brood toutes les 2 minutes, c'est presque aussi rentable que d'aller faire les bois complètement. Il va voir qu'il reste dans le coin, surtout que bah, c'est plus facile de gérer la brood à 3 qu'à 2, même si le troll fait peur là, hein. Le troll est déjà très bien. Attention mid, ce mail qui va se récupérer encore par un nouveau décal de Sion qui fait pour le moment un secret taf au mid et permet à RioR bah, de tenir ce mail qui était un peu devant toujours, hein, tu l'as dit tout à l'heure, et qui continue d'avoir le head sur les Last City 9 mais qui donne 2 kills. Un pour Ouais, c'est pas RioR bon pour et un l'instant pour de Sion. mourir tant que ça au début. Est-ce qu'on lui a fait des stacks dans les bois? Pas vraiment, il y a une pause qui est demandée
Pareil, est-ce qu'il y a un problème de son visiblement? On va du coup aller retourner voir ce kill que j'ai complètement loupé. Où est-ce qu'il est venu le lion? Ah, il est venu en smoke tout simplement. Est-ce qu'il va passer par devant? Il va passer par devant. C'est-à-dire que le storm est positionné de manière très agressive. Il a eu une haste en bottle, ce mec, il a dû se dire que ça suffisait. Ah, il a le coil. Ah, c'est ça le problème. C'est que le Storm est level 5 quand le Puck est level 6, tout simplement. Et que Ace ou pas Ace, quand t'es coil. Oui, il a failli s'en sortir ce signe. Ça ne suffit pas, forcément. Et ça, c'est grâce. Enfin, c'est grâce. C'est la conséquence de sa première mort. S'il était pas mort la première fois, bah, il aurait eu son level 6 en même temps que le Puck. Il aurait pu sortir du coil avec son ulti. Je rappelle que vous ne faites pas stun si vous sortez du coil avec l'ulti Storm. Donc, a priori, il s'en serait sorti sans trop de problèmes. Alors l'XP en moins des creeps deny a été augmenté. Oui c'est ça, c'est ce que je voulais dire. J'espère que je me suis pas mal exprimé. En gros quand tu deny c'est mieux qu'avant quoi. Ça m'avait semblé clair, en tout cas. Bon, comme ça on est bon. Bon, on va profiter de la pause pour aller voir ce qui se passe rapidement chez dans les autres games. Il y a Iom Navi qui est en cours. On est reparti C'est vrai? Oh merde putain, je viens de ouais. charger. Bon, on revient, on revient. On va voir si nos petits navis s'en sortent bien, parce qu'ils n'avaient pas très bien commencé cette game, ils sont à 12-15, 0 de différence de gold, un peu d'avance d'XP, mais voilà Navi, c'est ça, faites-nous la démo. Allez, on va retourner dans notre game qui vient de redémarrer donc, après une petite pause. Qui je vous rappelle donc, la game entre Rave et EG. EG qui est donc invaincu pour le moment, première égalité. Univers qui va perdre toute sa mana ici. Ouh là là, il va se prendre le cold Ouais, il est feed. pas bien. Ça va, il n'y a plus de Enfin, mana si, sur le c'est bon. Lion. C'est un mana drain que level 1. Et pensant à assurer le level 6 de Sumel qui fait donc le build américain qui va maxer l'overload. Alors on a vu par exemple S4 faire des builds un peu différents sur Storm qui fait des builds peut-être plus anciennes avec plus de points dans le grappin. La plupart des Américains vont jouer comme ça avec cet overload maxé. Donc ça maximise les dégâts lorsque vous faites des petits sauts plutôt que de maximiser les dégâts avec le Static Remnant ou d'assurer plutôt le disable pour vos potes puissent vous aider. Qu'on a bah oui, qui pour le moment a l'air de se concentrer tout doucement vers les bois. Et on est Schmel, vraiment il va y aller fort. mid. Il va y aller, il a chopé le puck. Oh, il s'en passe, il récupère le kill. Par contre, bon, il va mourir derrière avec le loup du Lycan qui sont là et Geo qui va récupérer le kill. Ok. Bon, bah, c'est un bon kill pour lui. Je pense qu'il a dû récupérer de l'argent là-dessus. Mais je Pas pense tant que que ça, ouais, c'est ce suit. totalement rentable. Bah, comme il Ouais, perd je l'argent en pense. Avec mourant, il sa gagne mort, il fait quand 140 même gold, du quoi. le TP pour revenir. Bon, il a gagné 43 gold. Ouais. Mais globalement, ouais, je pense que ça reste à peu près rentable pour lui de tuer Spuck quand même. Notamment bah, sur la différence d'XP, ce qui permet d'être rattrapé un peu parce qu'il était quand même pas très bien en early. Là, il a équilibré à l'XP le Puck. Donc, il est revenu 7 et demi, donc il va pouvoir continuer à compete avec ce Puck. Et du coup notre Lycan qui sortait de nulle part, bah, il était dans le coin tout simplement parce que c'est le Lion qui a récupéré la safe lane. On essaie de lui faire farmer une dagger, il est bien dans la game ce Lion, hein. Il a un kill, un assist, les deux sur le Storm Spirit. Et il est à 800 gold après des tranquille boots déjà complétés, il part du coup maintenant sur une dagger. Ça c'est très classique quand vous avez le Lion, lui laisser la safe lane pour qu'il puisse sortir dagger et aller tuer tout le monde. Surtout quand on a un Lycan qui peut farmer les bois très efficacement. Il a complété son Vlad avec le kill sur Sumail. Parfait, parfait. Et on a Univers qui va vouloir commencer à bouger avec son clock. Il est passé level 6. Il va s'assurer la rune en bas. Il est parti sur tranquille boots pour le moment. Donc il a une mana pool assez faible. Je sais même pas s'il a de quoi faire tout son combo. Il est full, il a de quoi mettre tous ses sorts tout pile, je pense. Quelque chose, Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. 250. Tout pile, ouais. Au point de mana près, s'il est full mana, il a de quoi mettre chaque sort. Mais pas plus. À un point de mana près, ça joue pas. Donc là, il manque 25 de mana, par exemple, il peut plus mettre le full combo. Donc, Faut c'est qu'il vraiment fasse très, gaffe quoi. ouais, qu'il fasse vraiment grand attention à sa gestion de mana. Bon, il a un stick, s'il arrive à le charger un petit peu, éventuellement, ça peut permettre de Notre venir Song compenser tout King ça. pense hein, à lui, il est parti dans les bois en train d'essayer de farmer sa dagger. Il avance tranquillement. Il est un peu retardé, hein, il a mis du temps à passer level 3 donc il va avoir une dagger un peu tardive. Et on n'a plus besoin de lui hein, pour gérer la brood. La brood prend de l'XP, mais c'est tout ce qu'elle fait en gros. Hein. Elle tourne à 11 de CS pour le moment. Tia qui continue à très très bien deny, qui farme les araignées dès que possible. Avec PPD qui a maxé le cri, ils ont une sentry, ils restent dessus à chaque fois.
Et il se farme ses araignées en boucle. Sans problème. Ils sont pas vraiment inquiétés pour le moment. Ça va peut-être changer quand l'ancienne apparition va passer level 6, sachant qu'on en est proche de l'ancienne apparition. Et quand le lion va commencer à vouloir décaler, il nous reste 1000 gold avant ça d'ailleurs. C'est des moments où ça va commencer à devenir un peu dangereux pour Roger. Mais pour le moment, on a encore un peu de répit, pendant encore quelques minutes. On peut essayer de se permettre d'aller chercher ce timer de dagger. J'ai l'impression qu'on veut peut-être faire quelque chose là avec AUI et PPD, ou c'est juste PPD qui vient licher un petit peu d'XP. Non, je pense qu'ils vont bouger ensemble, ils ont une smoke là qui vient d'être amenée. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Ça veut attendre. Alors qui est-ce qui pourrait la récupérer, mais... Parce que la brood il la tue facilement avec une smoke. La smoke est révélée quand vous êtes à côté de la brood, vous activez la dust et vous lui mettez le stun, il n'y a pas de problème. Le puck c'est beaucoup plus compliqué. Sachant que Jayo est top. Jayo est top, il a envie d'essayer de récupérer les supports. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire à Udemy et PPD? Il y a un ulti en son apparition, parti sur la top lane, mais qui va pas trouver grand chose. Peut-être. Non, même pas fier. Mais ils veulent aller mid. On a l'information, on sait que l'ulti en son apparition est hors CD. On peut peut-être tenter quelque chose, ouais. Sur, c'est tellement dur de le tuer. Mais il y a un peu tout le monde derrière, hein. Attention à Sion qui est en train d'arriver. On décide d'engager Rio Air qui va mettre un très bel ulti qui dodge le stun. Derrière ça, attention à ce Lion qui va quand même se faire engager sans avoir plus d'occasion de passer le stun. Voilà, le stun va enfin partir. Finalement, on aura 3 kills sur le die. Et Universe Universe, attention quand même. Je pense pas qu'ils sont récupérables. Ça va vite avec le médaillon. L'ulti a même pas besoin. Allez, triple kill pour Geo qui vient nous prouver qu'avec un Lycan on peut aussi être actif à la 10ème minute de jeu. Et quelle erreur de la part de G d'aller tenter un move sous la tour comme ça sur un puck. Et le Lion du coup qui se fait plaisir là-dessus. Ça lui paye presque ça d'ailleurs. Là lui était pas présent donc c'est pas vraiment le gagnant. On peut pas gagner grand chose dans cette histoire. Le mouvement de Rio Air, l'exécution qui était vraiment parfaite. Bon, mini brain Electric Vortex juste en spirit qui a pas pu être placé sur lui avec un coup de phase shift. Derrière ça, sur l'illusory orb, en faisant le relocate, enfin le joint, on esquive totalement le stun Sand King et on coil plus silence tout le monde. Enfin, coil plus silence tout le monde quoi. Bref, enfin, vous pouvez pas mieux jouer, je pense, sur ce dive avec ce coil. Ok, et Sumail derrière il s'est dit, bon. On peut pas kill mid, on va les tuer là, hacker tout seul en bas, ça va être un kill beaucoup plus facile. Et du coup, ça va le rapprocher tranquillement de son Orchid, on va se mettre le Netwars pour voir qu'il est égalité avec le puck pour le moment. Le mec est à 2-4, il est égalité avec le puck, hein. Donc on sait pas trop comment est-ce qu'il se débrouille. Il y avoir beaucoup de bounty rune. On a un ulti qui va arriver mid, le coil qui est de retour pour Rio Air, l'orb qui est utilisé, est-ce qu'il va y aller? Non, pas vraiment. L'univers c'est pas hyper tanky, hein. Il tourne à 900 HP. Puisqu'il a seulement Tranquil Boots, Magic Wand et Bottle. Donc aucun item de HP si ce n'est le Wand qui donne un petit peu. Oh, AUI 2000 qui a trouvé une broude avec plein d'araignées. Oui, à toi les gods, mon petit AUI. Il a maxé Sandstorm. Hein. Donc il a pas encore pris de points dans l'Epicenter. Et on va lui laisser la ligne, je pense. C'est ça le plan, on va lui laisser la ligne face à la broude. C'est dangereux parce que maintenant que le Lion est level 6, on peut avoir des rotations sur cette offlane. Et Jayo qui est hyper actif avec son Lycan, c'est impressionnant. Ça fait deux fois qu'il vient sur la ligne top, harasse un peu avec les loups, voir s'il n'y a pas une opportunité de kill sur un support. Il a vraiment envie de se rendre utile dans cette game. Level 6 Lion, prochain ulti dans 30 secondes, mais ça sera un prochain ulti avec Dagger qui est préparé, qui est totalement disponible. La Dagger du Lion qui n'a pas encore été scout, on peut peut-être s'en douter un peu hein, quand même sur ce timer, vu les rotations de lane de la part de Rave, je dois plus ou moins s'en douter. Pour le moment, on laisse le Sand King au top. Il y a pas spécialement mais de il va moyen se faire tuer, hein. Mais le stun qui va passer sur la Sandstorm, vers sa lutte sur apparition, le Hex et le kit facile. Oh, ils sont naïfs, EG, dans ce début de partie. Ils sont extrêmement naïfs et ça fait 8 à 4 pour Rave pour le moment. Qui eux, pour le coup, sont réalistes, voient les erreurs que nous font EG et en profitent. Ça paye un Midas sur Chrissy avec sa broute qui va pouvoir rattraper le retard qu'il a. Puisque pour le moment, vous voyez que Honnête Wars il est pas hyper heureux, même si il est pas si mal que ça. Il s'est fait engager sur la dague de Rio Air. On lui a posé le cog. D'ailleurs, ça, ultra ancien, enfin, même pas ultra ancien apparition. Le petit chalet de tous, le col de merde. Kill. Et c'est même Envy qui récupère encore un kill sur le Storm Spirit au bot pendant ce temps-là. Mais c'est peut-être pas fini, attention au mid, Rio Air qui est peut-être un peu perdu, qui enchaîne apparition qui va passer, Rio Air qui s'en sort à 70 HP. Oh il a loupé. Le stun d'AUI 2000 qui permettra pas de récupérer Rio Air, mais en tout cas qui va permettre de récupérer l'ancienne apparition. Rio Air qui a plus beaucoup de mana, qui va silence dague. Alors que Lycan, lui. Ouais, essaie de récupérer Fier. Il n'y a pas de bâche. Le stun est encore loupé par AUI 2000, sérieusement? Ça fait 3 d'affilée hein, qui sont loupés. Bon, l'autre il a récupéré la A quand même, il voulait récupérer le puck avec. La game qui s'emballe un peu et EG qui a du mal à répondre pour le moment.
Rave qui prend une bonne avance là-dessus, on va regarder ce que nous disent les courbes de gold. On est à plus 2k gold, et puis même plus, hein, on est à 3k avant même que ça s'update, un peu plus. Et un peu plus de 5k qui est pris par Rave qui prend le contrôle de des bois adverses. Si on va aller prendre cette tour top avec la brode. Et c'est ça le souci aussi, hein, c'est que les moves de Rave, voilà, l'énorme pression qui est posée par ce Pug, par ce Lican de combat, j'ai envie de dire, qui fait pas vraiment, qui est tout le temps en train de bouger, etc. Bah ça va forcer en automatisme, hein, les réactions de EG, et là ça a totalement libéré l'espace à cette route qui est juste allée manger la tour, quoi. On avait réussi plus ou moins à la shutdown sur leur league game, mais là depuis, bah, elle a 1500 gold, enfin 1200 gold, pardon, quasiment 1300, et elle a sorti une mid à entre deux. Allez. Alors qu'elle avait Soul Ring, Naked et pas de gold il y a encore 6-7 minutes. Et du coup, on va venir sur cette ligne de cette broule, on sait que j'ai envie de venir défendre, on va envoyer le Lion. Et le Puck en smoke, on va trouver personne pour le moment, on a profité pour poser une petite ward. Il y a personne, pourquoi? Parce que le troll est parti faire Roshan, il a trouvé un DD. Il s'est pris un ulti, hein, qui va le calmer un tout petit peu, mais je pense que ça va pas l'empêcher de terminer ce Roshan. Bonne acquisition de la part de G là-dessus. Attention, on va perdre la tour top gratos du coup. Il y a 8 qui est en train d'arriver, qui va passer un petit stun, qui va récupérer les golds sur les spiders. Ah, il faut pas qu'elle fitte trop d'argent quand même cette brode. Même si là, on va pouvoir se faire ce Sand King, probablement le stun, le Hex qui arrive, le silence. Ouh, il tank, il y a un petit lag, c'est bon, on va terminer le kill sur la durée du silence. Ah, et ça fait 12 à 5. C'est vraiment des erreurs très peu caractéristiques de ce que EG nous a prouvé depuis le début du tournoi. Red qui est complètement en train d'outplay l'équipe américaine. Ils s'attendent pas à ces moves, ils s'attendent juste pas. Et Rave qui est là à chaque fois pour en profiter. Rave qui est ultra mobile finalement avec tous ses héros, bon, à part la brute qui a tendance quand même à continuer à rester au top. Mais Geo, Rioer et le Lion qui font une pression. En plus de ça, bah, vous avez les ultis en sa apparition qui viennent en backup aérien là-dessus derrière. Attention quand même à l'engage. Derrière, ça va totalement one shoot cette VS sans avoir laissé le temps de poser quoi que ce soit. Univers qui pose des coques plus ou moins défensives. On va essayer de faire comme ça, mais il n'aura bloqué que Fear avec lui à l'intérieur de ses coques, c'est plutôt embêtant. Le Lion qui va mourir, mais qui aura le temps de poser le doigt et de récupérer le Clockware. GE qui va être là derrière, il a plus beaucoup de mana sur ce mail qui devrait se faire récupérer ici. On a un très beau stun de la part d'AUI qui va pouvoir placer l'ulti pour permettre de récupérer GE en fait dans un premier temps. On a quand même ce mail qui s'est fait récupérer sur les autoïdes de la Good Mother. On va poser une petite sentry de la part d'AUI 2000. On va récupérer bientôt un stun, mais ça ne suffira pas. 3 pour 3, échanger là-dessus. Vu le retard de GE, je pense que c'est plutôt un bon fight pour eux. Alors Sumel en plus a réussi à récupérer le kill sans de mourir. Il a un peu KS le kill au Sand King, ce qui lui fait une bonne avance de gold là-dessus. On va voir si ça lui paye son orchid quasiment. Donc effectivement ça va être un bon fight pour eux. Parce qu'ils avaient besoin de cet orchid, hein, pour pouvoir commencer à vraiment bien rentrer dans la game les EG. Est-ce que notre clock lui a sorti quelque chose? Bah, il part Blade Mail pour l'instant. Mais il est pas bien Univers, hein. Univers qui est... Comme on le disait un peu au début, c'est peut-être lui pour le moment qui prend le moins bien ce début de tournoi. En fait, le souci, c'est que le moment où il y a commencé à avoir des rotations pour Univers, il y a eu commencé à avoir des rotations et où il aurait pu éventuellement peut-être récupérer un peu de farm, un peu de gold en bas, ou commencer lui à bouger également. Alors, on a laissé tellement d'XP et de Slayons. Oh, il va trouver quelqu'un. Oh, il va trouver Slayon, justement, l'ulti qui est utilisé. Mais je pense qu'on va pouvoir récupérer le kill de la part d'Univers. C'est bon, les loups étaient venus pour tanker un peu les batteries. Derrière, on a Sumel qui est parti derrière, qui va rentabiliser sa première orchide sur l'ancienne apparition. Attention à s'en sortir quand même derrière, parce que J.E.O. est vénère, J.E.O. un médaillon. Là, on a des coques qui vont arriver de la part d'Univers qui vont pas bloquer J.E.O. malheureusement. On tente de juke un peu de la part de Sumail, mais il prend cher, il a un mini saut. Est-ce qu'on a un swap à venir? On a un swap à venir de la part de PPD. Le stun qui est envoyé derrière, c'est Fear qui va courir sur J.E.O. Oh, c'est bon, le Quake va récupérer le Storm sur le dessus, ça c'est important. Est-ce que J.E.O. est mort? Par contre, derrière, j'ai bien l'impression, il manope sur PPD. C'est le troll qui va récupérer le kill. Faut pas oublier ce troll, hein, qui est quand même premier au net force côté EG. Alors oui, ils ont eu des mauvais échanges, oui, ils sont derrière au kill score, mais Fear, lui, il fait le travail pour le moment. Sans GIH à compléter, Dominator, Aquila. Très bon début de partie pour lui. Ouais, il est complètement, il est premier Netforce. Les derniers moves quand même du Storm Sweat qui lui permettent de revenir. Hein. Là, il est mais il était déjà devant. Hein. Sur le dernier. Devant, il est resté devant. Ouais, bah sur le dernier fight, le Puck est mort et lui il a récupéré 2 kills avant de mourir. Donc il s'est fait 800 gold sur le fight et il avait. Ouais, il y a eu 2000 en haut. Est-ce qu'il s'en sort? Il va pouvoir blink dans un instant. Est-ce qu'il a le temps de récupérer son blink avant le Stone Lion? Oui. Est-ce qu'il esquive le crachat de la broude? Non. Oh, non, pas de chance, il manquait une seconde. Pas de chance, pas de chance. Et du coup, EG qui s'en sort pas mal dans cette histoire.
qui viennent de perdre leur Sand King, c'est pas trop grave. Est-ce qu'on peut récupérer le récap de la fight en bas où ils font 3 pour 1 en perdant uniquement le stand? Ils font plus 1300 gold et plus 2000 d'XP comparativement à Rave. Et du coup, en termes de courbe, vous voyez qu'on est revenu quasiment à 0. Hein. On a complètement compensé ce mauvais early game de la part de EG qui est de retour dans cette game. On a sorti Orchid quand même sur cette boîte de Mozart. Parce que là, on l'oublie un peu depuis tout à l'heure. Hein. Elle continue, elle fait les bois adverses, elle fait la lane top et mine de rien, avec sa Midas, bah, elle va commencer à sortir du stuff, cette boîte. Elle a commencé à devenir inquiétante parce qu'elle va pouvoir commencer à gérer à peu près n'importe qui en 1v1 sans trop de soucis. Donc il va falloir mobiliser de plus en plus de pression de choses au top pour essayer de venir la récupérer. Enfin, de la récupérer, de juste faire un peu cette boîte. Et là c'est un moment assez marrant parce que la brood elle peut se faire tuer quand même très facilement par n'importe qui, mais aussi ça permet de débloquer des kills sur à peu près n'importe qui aussi. Le seul qui est plus ou moins illuminisé c'est ce troll pour le moment, quand même très tanky, 1300 HP, et encore il est en farm range. Il va nous défoncer un peu cette tour, il a esquivé l'orb du puck, il y a toujours la Aegisphere, il perd quand même un peu de beaucoup de PV là-dessus, il a Venge qui l'a pris. Swap au KO, c'est bon, la tour est récupérée. Et la Brood a récupéré la tour top en ce là aussi, donc c'est un trade, T1 contre T2. Alors elle devait finir par tomber hein, cette tour top, c'est pas grave de la part de G de la perdre maintenant. C'était maintenant, ça aurait été dans 2 minutes. On envoie des requêtes à la recherche de Chrissy. Oh attention, il y a Sumel qui va peut-être le voir ici. On va pas la voir sur cette rotation. Pendant ce temps-là, notre Lion qui est dans le pit de rush, on sait pas trop ce qu'il attend. Bon, il est parti. On va venir push en bas avec J.O. J.O. qui a fait BKB first sur son Lican. Et donc visiblement, il s'est fait la même remarque que nous. C'est que troll contre Lican, bah c'est fort parce que vous pouvez pas faire Nécro. Enfin, vous pouvez faire Nécro, mais vos Nécros vont miss. Et du coup, il va nous faire un build basé sur son DPS à lui, avec son héros. Donc probablement partir sur des items comme Cuirasse, comme Abyssal Veil, Descent King sur J.O. Le stun qui arrive juste après, il a eu le temps de se transformer, il a le temps d'activer BKB, il a le temps de se barrer. Attention au Storm quand même qui va venir le chercher, il va vite ce Storm, il a le temps de mettre deux auto-attaques, il tente de TP J.O. Pourquoi? Je vois pas, il avait peut-être peur de se faire récupérer par le Storm finalement, mais il est plus de mana là sur Bah ouais c'est ça, il y a bon, il en a plus quoi. De se faire vortex à la sortie de BKB. Oh mid c'est parti, il est très bonne cog. Oh c'est bien joué le festif qui arrive, PPD aura pas le temps de mettre son stun, quoique le stun qui passe quand même, la blade mail qui a fait beaucoup de dégâts de la part d'univers. Très belle exécution de la part de G là-dessus. La dodge lui tire en plus qui arrive, quoique le Lion, double stun de Rave, le Sand King qui va venir pour contrer derrière. On a récupéré les clocks, mais à mon avis ce Sand King a un force staff et devrait s'en sortir sans aucun problème puisqu'il n'y a plus de mana sur le Sand King et que la Vengepool n'est pas en range pour mettre ses spells. Très très beau mouvement de la part du Sand King, du Lion qui est impressionnant honnêtement dans ce début de partie. Ouais, le force staff c'était pas le sien. Ah c'est pas le sien, c'est l'ancienne apparition. Okay. Il est en train de le faire, c'est l'ancienne apparition qui l'a force staff. En tout cas, on va bien jouer ici qui sauve totalement sur la gueule. Pour l'instant, on a pris la tour en bas et Shadowblade qui arrive sur Fear. Ça, c'est une acquisition très intéressante. On lance une gamme de split push de la part de Rave, donc ça va être sympa. Mais c'est un item qui, on le sait, quand on arrive en late game sur des engagements en 5v5, devient limité puisque les gens s'attendent à voir votre Shadowblade. Donc il va falloir débloquer quelque chose avec cette Shadowblade dans les prochaines minutes. Sachant qu'elle est, elle a vu maintenant. Là, il est sur une ward, donc a priori, c'est annoncé par les joueurs de Rave qui sont au courant. En tout cas, c'est une gamme de très très haut niveau hein, que nous proposent les deux équipes, ouais. Qui justifie leur première et troisième place pour le moment dans ce tournoi. Mais suite à cette gamme, il y en aura un qui sera plus premier ou un qui sera plus troisième, hein, ça c'est sûr et certain. Tomail qui a récupéré un petit kill au mid sur le puck, il n'y a pas grand monde en backup derrière, alors qu'il suffit pour récupérer le kill sans trop de soucis. Et avec un petit kill il a quasiment son heal ce puck, il voulait finir de farmer son heal. Le hull qui l'immunise à leur kid, mais... On s'est smoke derrière, on va essayer de check un peu les bois pour trouver cette brood justement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, la smoke est plutôt efficace contre brood parce que dès que vous êtes reveal, c'est qu'elle est pas loin. Mmh. Et donc vous pouvez vous permettre de on dust chercher un peu. Smoke, mais elle est totalement planquée. Ouais mais là ils l'ont vu, là ils l'ont vu. Ouais elle a posé une toile, on sait où elle est. La dust qui est partie, elle va se faire rattraper, elle est dans les gosses. Elle va prendre. Très bien joué la science, le Storm qui dans tous les cas n'a pas beaucoup de mana. En bas par contre, il y a une fight qui est partie sur Fear. Fear qui a sa Shadowblade dans CD, qui va se prendre l'ulti Lion et qui va tomber. Il venait de perdre son Aegis, je pense. Ah bah non, on enchaîne des rues. J'ai rien dit en fait. Oui, tout à fait. Le Sand King lui a sorti un Force Staff en bas. Donc les supports dans cette partie qui sont extrêmement farm. Hein. On a la Venge qui
pas hyper hyper bien. Et encore, elle se ramène un item. Elle se ramène le début du Force Staff. L'ancienne apparition à un Force Staff. Le Sand King à Dagger et Force Staff. Le Lion à Dagger et Force Staff. Donc vraiment, les supports ont beaucoup d'argent dans cette game. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, ils sont beaucoup plus durs à tuer. C'est-à-dire que pour attraper le Lion par exemple, bah, ça va être plus compliqué. Pareil pour le Sand King. Et ça veut dire que du coup, des carries comme le Troll ou comme le Lycan peuvent se faire kite beaucoup plus facilement. Ah, ce qu'il va faire comme item notre Lycan d'ailleurs. Le troll? Le Lycan. Ah, le Lycan, d'accord. Le troll, donc Sunset qui vient de compléter BKB, je pense que on devrait voir aussi Fear avec son troll hein, partir sur BKB. Bah, on vient de voir pourquoi hein, sur le kill qu'il a pris en bas. Roshan qui est disponible, on attend peut-être le respawn de Fear pour essayer d'aller partir là-dessus tranquillement, côté EG, étant d'ailleurs on a quand même toujours, malgré le relocate du Roshan, un très léger avantage. Et avec VS Troll, on sait que ça tombe très vite. Ah, y a un Force Staff qui arrive aussi sur, sur le clock, donc il est parti surtout sur des items utilitaires hein, pour le moment. Il a eu un très mauvais début de partie, Universe. Il se rattrape comme il peut en faisant de l'utilitaire. Donc, on pouvait pas tanker avec clock, bah, on fait des choses pour rester en vie. Et on va avoir une... Oh oui, on est parti aux anciens. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les deux équipes. On a engagé donc sur notre troll qui s'est fait stun. On envoie l'ulti A, on envoie le coil, on envoie l'ulti Lion. Et Fear qui va tomber derrière le Sand King. C'est fait ex... Le Lion s'est fait exploser. L'ulti Sand King va arriver, mais fait pas beaucoup de dégâts puisque J.O. pour le moment est en BKB. On a un swap pour lui sauver la vie. Pendant ça, Sumail a récupéré l'ancienne apparition sur le dessus, sur le dessous. Et notre Puck... Alors visiblement, il a TP le Puck parce qu'il était au début du fight et il s'est barré. Et ça reste du coup un 2 pour 1, 2 supports pour le troll. Sympa pour Rave, je pense. Et le troll a buyback en plus. Ah, il a buyback pour aller faire Roshan, ok. Ouais, il a buyback pour aller faire Roshan. On sait qu'on va aller faire Roshan. Donc réaction instantanée de la part de Rave. On fait quoi? On envoie Lycan au top pour venir assister à Brood et venir essayer de prendre les bâtiments. Bon, pas de bol, enfin pas de bol entre guillemets, bien senti de la part de G à 8000 qui était déjà là, qui a posé le petit doudoudou devant sa tour. Il y a pas de souci derrière, on est tranquille. Vraiment, est-ce que cette Brood a des dust? Parce qu'avec des dust et son Arcade, elle peut récupérer un kill facilement. Pour le moment, elle part sur BKB, elle a toujours pas de bot. Hein, donc, bon, pas que ce soit nécessaire des bots sur Brood, vous voyez qu'elle court à 502 là dans ses toiles. Mais ça peut aider à chasser en dehors des toiles et à récupérer des kills justement sur 60 kills par exemple. Comment est-ce qu'on est en termes de différence de goal entre les deux équipes? On est bah, très très proche de 0, hein. C'est bien ce qui nous semblait. Côté expérience, EG est quand même assez devant. On va voir sur quel support on peut voir ça. Bah, l'ancienne apparition a hein, des levels de retard. Les deux corps EG sont légèrement devant, level 17, level 17. Donc c'est là, évidemment, que se situe un peu la différence. Mais ça reste très très proche. Ça reste une game extrêmement serrée pour le moment. Univers, il va partir à gagner. Ça va permettre de rattraper cette Brood, de rattraper ce Lycan, de contrer un peu les différents Force Staff pour pouvoir rattraper les gens. Et notre Lycan qui a du mal hein, à enchaîner son farm pour le moment. Il a fait un très très bon début de partie. Il était à 5-0, maintenant il est à 6-3. Ça se passe un peu moins bien sur la suite de la partie. Lycan pour Basher pour essayer de venir contrôler un peu ce troll ou tu pars quand même sur Asokuras après derrière quand tu fais comme ça? Je sais pas honnêtement, je pense que les deux sont bien. Ouais, sure, à mon avis, contre troll, ça peut être efficace et sans contre son spirit aussi. L'AC, globalement, va lui apporter aussi bah, plus de survie. Donc, ouais, on verra. On verra ce qu'il choisit. Donc, EG. Ouais, un petit ulti A, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir grand chose d'autre qui risque de suivre. De la part de Raze, on va se décider à push. Pas toujours au mid, mais totalement pas tant. Storm le mec est parti direct. Il va se faire silence, il a BKB hein, au cas où, surtout il a une Aegis. Mais il va se faire ex, il aura rien le temps de lâcher l'ulti Lion. Très bien joué de la part du Lion. Mais c'est l'Aegis hein, pense hein. Le clock à contre-engagé va récupérer le Lion. Est-ce qu'on peut récupérer d'autres gens? L'ulti Sunking qui est à partir sur Rior qui meurt avec son puck. Pas encore. C'est bon, qui meurt avec son puck. On y est, est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un d'autre? Non. Ça va être seulement deux kills du coup récupérés par Roger, mais mon dieu que c'est parti vite de la part du Storm. Parti sans aucune hésitation. Là, ce mail, il sort 2700 gold là-dessus. Il va partir sur X ou Shivas, je suppose, ensuite. À mon avis, peut-être plutôt X. Je pense, ouais. Bah, le Shiva lui apporte quand même une très très bonne survie, ce qui lui permet de rester en vie. Mais je pense qu'il y avait d'autres très bons items à faire sur Storm, mais on verra. On verra ce qu'il décide de faire après. Parce qu'une Lincoln contre le...
contre lui, Lion, c'est quand même génial. Et Goodstone, vu comment il est bien. Top de mettre la pression, mais ça va tomber sur Pifidei qui va se faire orkick, qui va se faire engage, mais derrière ça, Chrissy, qui se fait attraper par ce mail et qui devrait mourir sous les coups d'Orchid. C'est ridicule ce storm avec le lag là, on voit rien du tout. Univers qui sauve Pifidei en mettant les coques sur les loups pour les empêcher de rattraper, de terminer PPD qui s'est haché une petite gemme là-dessus. Ouais, et ça va être important pour gérer cette broude. On devrait peut-être jouer plus autour de la broude de la part de... Putain, mais ça lag vraiment, putain. Autour de Rave, parce que là, ça va commencer à être compliqué pour eux. Elle est vraiment trop facilement attrapable maintenant. En parallèle, victoire de Navi. Ah, bah voilà, donc 2-0 aujourd'hui, Navi. C'est le comeback. Bah, c'est... Ils nous font une OG, ils perdent tous les matchs de la première journée et ils font un comeback sur la deuxième. Un Upliquant, donc, assorti. Un basheur pour en partir sur une abyssale et pouvoir bah, gérer ce storm hein, qui commence à être un sacré problème dans cette game. Sumel qui déroule, on lui a donné la gemme d'ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'il y a du lag? Effectivement, on est sur la Dota TV d'un tournoi qui est en Chine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez aller sur Wikipédia et demander ce que c'est que le grand firewall chinois. Ça veut dire que les infos qui sont là-bas, elles sont dures à récupérer chez nous. Donc bah, ça fonctionne pas trop mal, mais plus il y a de gens dans la game, plus ça lag. Et là on est 20 000 spectateurs, comme Iom Navi est fini. Ouais, Iom Navi est terminé, VG Tongfu c'est terminé aussi, avec victoire pour Vichy Gaming. Bon là on est... On attendait un peu quand même là. Donc bah, globalement les spectateurs augmentent et augmentent et augmentent. Et on était à 3 000 au début de la partie, on était à 20 000 il y a à peu près 10 secondes quand Hugo l'a dit. On vient de passer les 35 000. Donc tout le monde se connecte là. Voilà, l'accélération. Donc globalement tout le monde est en train de se connecter sur la Dota TV. Alors on essaie de mettre un trap en place de la part de EG. On ne trouvera personne puisque tout rive en haut. Comme on l'avait proposé, ils vont commencer à jouer autour de cette broude. On sait qu'on va venir la chasser cette broude. Cette route, c'est marrant, elle reste en dehors des toiles pour le moment et elle a gardé, vous voyez, les 4 instances de toiles. Donc là, c'est-à-dire que si un fight commence maintenant, il peut poser 4 toiles d'un coup. Et genre, bah, là où le fight va avoir lieu. C'est quand même assez intéressant. On va aller scout avec les loulicans. Il y a une ward, je sais pas si cette ward a vu l'ancienne apparition. Donc on est au courant côté EG ce qui est en train de se passer. On sait qu'il y a un bait qui est mis en place en rond. On voit Geo maintenant qui apparaît. Que on va y aller. Ouais, ils vont y aller, ils vont se smoke, ils vont essayer de prendre le fight à revers, pas se faire avoir par ce bait justement de la broude et puis aller chercher bah, ces supports qui sont plutôt en backline. Ça se planque bien dans les bois quand même, hein, côté Raves, côté apparition de Lion, mais on va se faire engager sur VUR, on risque de se récupérer très vite. Donc on va avoir le temps de shift le BKB qui va être utilisé sur le Lican qui va et se sauver. Sumel qui va quand même récupérer un kill sur le Puck, attention quand même à NB et en fait un peu tout le monde de la part de Rave qui est un peu dans les bois. On va TP de la part de l'ancienne apparition. Oh, Lion il reste, il est serein. Lion il reste là pour le moment. Avec Blink Dagger Force Stat, il peut toujours escape les TP derrière. On a récupéré peut-être pas autant que ce qu'on aurait voulu côté EG, mais en tout cas on s'est pas du tout fait attraper par le petit trap et puis on a counter ça par un kill. Donc c'était 100%. Ah, et puis on est sur une sacrée streak de kill là de la part de EG1 qui a pas concédé de kill depuis que le troll est mort tout à l'heure aux anciens. Donc ça fait un sacré moment. Bah, ils sont en contrôle de cette game, ils sont plus malins que leurs adversaires pour le moment. Oh, le Storm qui va engager, il y a un Hex qui est parti, le Sand King qui va réussir à mettre un très beau stun. On voit pas tout à fait tout, mais le Sand King, mais le Lion va se faire récupérer. Sumel qui a plus beaucoup de mana, qui va s'en sortir. Et la Brute qui a l'air d'avoir BKB TP, visiblement. Bah, elle a BKB pour le fight, et comme c'est son premier BKB à 10 secondes, elle a TP derrière. Quoi. Mais pendant ce temps-là, bah, Space Fighted fire au mid avec son petit loup, son petit Alpha Wolf derrière, qui récupère la tour, la T2. Ah, il est bien dans la game, le petit fier. Il s'est fait dépasser, ceci dit, par Sumail au Networks, qui est vraiment partout avec son Storm. Depuis l'acquisition de son BKB, il n'hésite pas, il joue très agressif. C'est pour ça que, probablement, qu'il a buyback pour prendre. Oh, attention, un fier qui a un Shadowblade. Oh, il va voir PPD maintenant, mais on est parti sur Cast en fait, avec son ancienne apparition. Le silence qui est posé derrière sur PPD. On a un coup de dust qui va partir pour voir Chrissy. Et le kill qui va être récupéré. Le puck qui a rien pu faire pour aider ses coéquipiers. Ok, les 7 sont sur 5 secondes après les kills. Mais vous comprenez le principe, je crois. Bon, 60 000 personnes hein, sur la Dota TV. Ah, là, c'est compliqué là. C'est de pire en pire. J'ai même pas imaginé ce que ça a donné genre les finales ce genre de.
Et il faut se reprendre côté Raven, hein, parce que là ça peut aller très très vite. On a deux morts, on a un troll qui va monter le high ground. Qui a un petit loup pour lui booster ses dégâts. Il tape à 130 plus 191 avec l'aura du loup et l'aura de la venge. C'est complètement ridicule. Ah, il ose pas trop commit pour le moment. C'est que ça peut aller vite sur un ulti-lion, ancienne apparition. Même si la BKM, si la venge est là pour l'aider au cas où. Ça se coûte le Roshan en parallèle. Hein. Univers qui vient de mettre une petite roquette. Il est pas encore là, mais ça ne saurait tarder. L'arrivée de ce Roshan. Donc on attend un peu avec grande impatience, je pense. Peut-être pour monter, pour pouvoir justement débloquer ce high ground de la part de G. Le prochain Roshan. Il ne reste plus qu'une T2 côté Raves. Donc on a quand même l'accès au high ground plutôt bien débloqué. Geo qui va TP, qui va être forcé TP. Ils avaient scout, ouais. Ils avaient totalement scout. Ils ont scout Fear qui lui arrivait dessus à vitesse grand V avec la Lothar. Grâce à la petite ward qui posait là sur le contrôle de Rooftop. Il y a un instant de TP, Geo. Hein. Il cherche pas du tout à fight. Ah, et on a vu le Roshan. On a vu le Roshan qui est de retour. Et qui est un Roshan à cheese, puisque oui, on est 34ème minute de jeu, mais il y a déjà eu 3 Roshan, enfin 2 Roshan de fait. C'est donc le troisième. On va voir si Rave veut le contester. Ils sont en train de tomber derrière, hein. Ils sont sacrément en train de tomber derrière. On a plus de 20k XP d'avance pour EG, et on a plus de 10k gold d'avance pour eux. C'est compliqué pour Rave de venir prendre ses fights. Et j'ai sur le troll, cheese sur le storm. Ah, il donne pas la juste au storm, ça c'est intéressant, juste le cheese. Ils ont changé de plan comparé à tout à l'heure. Il part peut-être du principe que ça va être à Fear d'être en front line pour taper les T3 et monter le high ground. Probablement, ouais. Et reprendre sur la proposition sur le chat. Donc voilà, mais je pense que ouais, c'est pour ça qu'on préfère peut-être laisser l'Aegis sur lui, qu'on part aussi du principe que maintenant avec BKB, le Storm a quand même moins à craindre d'un éventuel go sur Lion, et que c'est peut-être plus intéressant pour lui d'avoir cette mana et cette vie totalement refresh avec le Et ils vont y aller là. Hein. Ils vont y aller. On a Fier qui a monté la grande, commence à taper. Il y a des spells qui partent mais qu'on voit pas. La tour, elle va être glyph. Fier va reculer. PPD est bien placé, prêt à swap son carry ici. Il se fait attraper. On a le loup qui est toujours là. L'ulti qui va partir. Qui a l'air d'avoir été dodge par Fier, j'ai l'impression. Et Ilias qui a peut-être vu Chrissy dans les bois avec sa broude. Et le Lion qui va lâcher un petit stun, c'est qu'on engage immédiatement par le Storm et par Universe. On récupère le Lion immédiatement. Est-ce qu'il a un buyback? Non. Derrière, on a Jayo qui tend BKB, qui va se faire repousser par Fear. La Broudon, l'a vu sur le dessous, elle devra activer BKB. Fight maintenant contre Sumail. Sumail qui a plus beaucoup de mana, qui active son cheese, mais qui est silence pour le moment. Son BKB est en CD. Un Heal qui part sur Fear, mais il sera en train de se faire ouvrir complètement les raves. On a un swap qui part sur Jayo. Jayo qui va tomber avec son Ligang, il n'avait plus son ulti. Le side qui va être récupéré. Sumail est en godlike. Buyback de la part du Lican. Il va de la part du Lican, mais il a pas d'ulti pour 30 secondes. Le Glock a gagné, donc il va récupérer son ulti dans un instant. On va prendre cette tour mid, l'ulti qui arrive. Il peut l'avoir touché, je pense. Est-ce qu'il est parti? Ah, il arrive maintenant. Ouais, mais il a raté, il a raté tout le monde. Allez, on finit les racks. On peut pas prendre le top. On va devoir back de la part de EG. Sauf si on décide de trône, ce qui paraît osé quand même. Mais ils ont toujours beaucoup de HP et de mana sur après tout le monde, ils ont toujours l'ulti clock, ils ont toujours la Aegis. Alors on va essayer de déloger Fear de là, il y a un stun qui part de la part de NP. Geo qui va partir en BKB, qui va décider de man up, il part sur PPD, il va se prendre le hookshot, on essaie de le coincer dans les coques, ça va être loupé, mais il a plus son BKB, il a plus son BKB, il va se prendre le stun sanking, il va tomber derrière Sumail, lui il est parti sur ce Lion, il a une durée de son BKB pour faire un maximum de dégâts, il va récupérer le kill, ça fait deux kills très facilement récupérés, d'ailleurs on a le hookshot qui part derrière sur Chrissy, BKB acquis de la part de la Brood, et GG annoncé, pareil, mais ici qui n'aura pas tenu, très très belle partie de la part de EG, et ça commence à être classique, hein. On les voit beaucoup beaucoup galérer sur ces early games, pas forcément sur les phases de ligne, mais vraiment sur les premières rotations, et derrière ça déroule. Combien de temps il aura fallu pour rentrer dans la game? Merde, il n'y a plus les courbes. Il aura bien fallu, je pense, une bonne vingtaine de minutes, vous voyez, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont vraiment fini de lancer la game, donc 20 bonnes minutes avant de commencer à réagir, et derrière ça déroule, très belle partie de Sumail, hein. Et bon, de toute l'équipe en général, mais vraiment très impressionnant avec son Storm.
Ouais, magnifique avec son storm. Puis même même Geo, même Geo, pardon, même même Fear avec son troll qui était quand même bien bien au taquet, hein. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Bah, bien joué à EG qui met le 6-0 là, qui j'ai envie de dire qui transforme l'essai sur ce début de DAC. Je vais vous montrer ça un peu bon, où est-ce qu'on en était dans les standings. Donc c'est pas encore mis à jour puisque il y a des matchs qui viennent d'être terminés. Mais donc EG est à 5-0, passe à 6-0, donc dépasse Team Secret. Rave malheureusement pour eux vont tomber à 4-2. IOM a perdu aussi, donc passe à 3-2. Et bah, retombe un peu dans le ventre mou. Navi, eux, a rejoint le ventre mou en battant IOM et passe à 3-2. Et le troisième match qui avait lieu. C'est Tongfu contre Fonction Vichy. VG et c'est VG qui a gagné. Et Vichy a gagné. Donc Vichy, eux, pour le coup, passent à 3-2, je crois. Ou à 4-2, peut-être? 4-2. Ah, donc Vichy commence à être de retour. Là, on les attendait, finalement. Ils commencent à être bien avec le retour du sniper de Black, qui a d'avoir roulé. Et Tongfu, eux, redescendent un peu. 2-4. Pas encore trop mal pour le moment, mais faut commencer à s'inquiéter un peu pour Tongfu. Alors, pour la suite du programme, c'est très très simple. On a un match qui va commencer bientôt, qui sera peut-être IG contre Newbie, mais il semblerait que le gang des ingénieurs ait décidé que nous allions suivre plutôt Claudine contre Navi. On avait un straw poll qui a été mis en place, vous voyez le petit lien défilant. Je vais vous laisser encore 5 petites minutes pour aller voter. Quand vous faites pour aller voter, vous allez sur le chat, vous demandez l'URL, on vous la donne, et vous nous dites si vous voulez regarder Claudine, Navi ou IG contre Newbie. Sinon, vous copiez l'URL qui tourne. On va passer par la case des pages de pub. Et juste après, du coup, on vous dira quel sera le match suivant. Faut savoir, pour le moment, il y a 56 votes. 77% des gens veulent voir Claude Navi. Donc, si vous êtes fanboy chinois et que vous voulez voir Newbie IG, bah, dépêchez-vous. On rejoint le chat. On va voter rapidement et ramener tous vos cousins, tous vos sœurs. Parce que bah, il faut un sacré paquet de votes pour faire passer les Chinois devant. Il faut plus de 40 votes là pour faire passer Newbie IG devant, comparé à Claude Navi. Donc, dépêchez-vous. Max, merci de nous avoir accompagnés sur cette game. Je crois que c'est Il n'y a pas de souci. C'était ta la dernière dernière pour pour la journée. aujourd'hui. Même demain, je ne casse pas, je ne crois pas. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne continuation, de bons lives avec sur la suite du DLC. Et puis, à bientôt, tout le monde. De grosses bises. Salut! Et donc, derrière nous, on va récupérer notre petit pote Voja qui va être avec nous pour la suite de l'après-midi, tout simplement. On va faire.